Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 10 exercices qu'on fait deux fois. Ok, chaque exercice pendant 40 secondes, 20 secondes de pause et on est chaud pour un fit training, on va brûler énormément de calories. D'accord, ça va prendre à peu près une trentaine, voire 35 minutes en tout en comptant l'échauffement, une petite mobilité et un petit peu de cardio suivi de deux fois 10 minutes d'exercice intense. Ok, 40 secondes, 20 secondes de pause et ensuite on enchaîne avec le petit retour au calme histoire de souffler un petit peu. Prenez une bouteille, deux chaises, un tapis et je pense qu'avec ça on est bon. Bien sûr, on n'oublie pas ni sa motivation ni son sourire, on se démotive pas, on est là pour bouger. C'est parti. Ok, donc petit échauffement articulaire, tranquille, je lance la musique, je lance le chrono, 30 secondes à chaque fois de mouvement. Et après, on commence à taper dans le dur. On démarre tranquillement du coup. On va faire la nuque. On descend en avant puis en arrière. Tranquille. Aujourd'hui, j'ai choisi une playlist un peu plus mouvementée que d'habitude. En avant puis en arrière. Encore. Puis on va aller sur le côté. Tranquillement. Voilà. Allez bien chercher de chaque côté, on échauffe la nuque, gardez le ventre rentré et commencez à venir respirer. Prochain mouvement, on va échauffer ici, tendre les bras et on va échauffer les poignets. 30 secondes, on roule vers l'intérieur. Voilà, gardez les bras tendus, les omoplates serrées. Encore 5 secondes et on change de sens. Et changer de sens. On tourne les bras tranquillement. Voilà, je fais ça, je veux être sûr que vous soyez bien échauffé. On ne zappe pas jusqu'au début de l'exercice. Hein. Prochain mouvement. On va tourner les coudes vers l'intérieur, d'accord? On tourne les coudes vers l'intérieur. Et c'est parti dans 3, 2, 1. Voilà, super. On garde les bras tendus toujours et on retourne, voilà, vers l'intérieur. C'est le début tranquille, puis changer de sens. Hop. Je vais commencer à sentir vos épaules qui chauffent un tout petit peu. J'espère que vous êtes prêts, hein. Ça va être sympa aujourd'hui. 10 exos, je vais pas vous lâcher. Prochain mouvement, on va faire des petits ronds vers l'arrière avec les épaules. Voilà, grandissez-vous à chaque fois, gardez le ventre serré. Encore 10 secondes, changez de côté, le sens pas. Voilà, tranquillement. Puis on va vers l'arrière, on fait des grands cercles, on ne cambre pas le dos. Voilà, on évite de faire ça, on reste bien droit, on serre ses abdos. Et repartez vers l'avant. Voilà, on est juste là pour échauffer un petit peu les articulations, tranquillement. Voilà, prochain mouvement, gardez le ventre rentré, on va lever les genoux. Là, après, aspirez le nombril, c'est parti. Allez, allez, allez. Montez le genou le plus haut possible, gardez le ventre rentré, restez bien droit et montez le genou un peu plus haut à chaque fois. Encore, encore, encore. On échauffe les hanches, on échauffe les genoux. Encore, encore. Le prochain mouvement, vous pouvez vous arrêter, ce qu'on va faire c'est qu'on va monter devant et faire une rotation, d'accord? On va en faire une de chaque côté, 3, 2, 1, voilà, et ensuite une autre, super, essayez de garder le bassin de face, j'espère que vous avez fait mon dernier fit training, aujourd'hui c'est plus court, mais c'est un petit peu plus intense, on a beaucoup moins de pauses, allez encore 10 secondes, on garde le bassin de face, si ça craque un petit peu c'est pas grave, si ça fait mal on réduit l'amplitude. On va maintenant tendre ici la jambe devant et on va faire des ronds.
dans un sens, on peut utiliser la chaise pour se maintenir si besoin. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de lever le pied aussi haut, hein. C'est juste pour qu'on voit dans le cadre. J'ai changé de sens. Voilà. On échauffe bien tout le corps, on est sûr de ne pas se blesser. Surtout en ce moment, c'est compliqué de trouver un médecin. Allez, changez de jambe. Ça va sonner, mais vous resterez quand même en mouvement. Tournez la cheville vers l'intérieur toujours. Et là, on tourne vers l'extérieur. Gardez le ventre rentré, on se tient toujours droit. Continuez de respirer. Voilà, on va faire un petit peu de mobilité maintenant. Premier mouvement de mobilité, on écarte les jambes. Assez large, pointe de pied vers l'avant. On rentre le ventre, on descend droit. Et on va aller toucher une cheville, puis l'autre. On tend le bras de l'autre côté. Allez, il reste une vingtaine de secondes. On s'active, on s'active. Encore, encore, encore. On tient, on tient, on tient, on tient. Remontez. Prochain mouvement, on va écarter les jambes largeur de hanche. On va descendre en squat. Une fois en bas, on va tourner, ouvrir la cage thoracique. Et ensuite, on remonte. C'est parti, on descend. Squat, ouvrez à gauche. Ouvrez à droite. Rentrez le ventre. On monte, on redescend. Ouvrez à gauche. Ouvrez à droite. Et on remonte. Encore. Voilà. Essayez de ne pas tourner trop les hanches. On essaye de bien sentir le twist de la colonne. Aspirez et ouvrez. Un dernier. Même si ça a sonné. Prochain exercice. On va se mettre en position planche. Main en dessous, bien sûr, des épaules. On va faire un chien tête en bas. Et c'est parti. Pliez les jambes au début. Et on redescend. Encore. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Si vous pouvez garder les jambes tendues, allez-y. Encore. Jusqu'au bip. Et posez les genoux. On va souffler 30 secondes, on va refaire ça une fois, d'accord? Vous pouvez voir, hein, n'oubliez pas. C'est parti, écartez les jambes. Et on refait le premier. Hop. On continue, allez chercher plus bas à chaque fois. Encore, encore. Remontez, on repart sur le squat et les twists. On garde bien la main sur le côté et on ouvre. 3, 2, 1. On descend. On ouvre. Hop, on regarde sa main. Les deux côtés. Et on monte. Posez une main devant. Avec votre coude, empêchez le genou de revenir. Voilà. Encore. Hop. Encore. On descend. Inspirez. N'oubliez pas. Et stop. Prochain exercice. La planche, c'est le dernier. Avant d'échauffer un petit peu plus le cardio sur deux tours très rapides. Planche, rentrez le ventre, serrez les abdos. Et on part en chien tête en bas. 30 secondes, on essaye d'amener les talons au sol. On ne cambre pas le dos quand on revient, hein. Je ne veux pas avoir ça, ni ça, d'accord? On est bien droit. Poussez dans le sol avec les mains. Encore, tiens, tiens. Allez, allez, on échauffe le cardio maintenant. Les articulations sont prêtes à encaisser. 30 secondes, on va faire des jumping jacks. On laisse les 30 secondes passer. Jumping jacks, on saute. On vient ouvrir
les pointes de pied vers l'extérieur et on lève les bras en haut. Les bras ne sont pas sur le côté comme ça, mais un peu vers l'avant. Tournez les paumes de main l'une vers l'autre, ce sera plus facile de monter, on ne va pas avoir de douleur aux épaules. C'est parti, dans 5 secondes. Alors 15 secondes, prenez le temps de boire, il vous reste 10 secondes, 10 secondes. Et on va échauffer le cardio, on va faire deux tours. Premier tour, jumping jacks pendant 30 secondes. Deuxième exercice, mountain climbers. Go! Allez, jumping jacks. 30 secondes. Bras tendus. Hop! Hop! Pointe de pied vers l'extérieur. Ventre rentré. C'est 30 secondes. On fait monter le cardio. Encore. Allez, allez, courage. On tient, on tient. Est-ce que fini? Allez, allez. 10 secondes, on se met en position planche. Voilà, on tient. Poignée en dessous des épaules, on va monter genoux l'un après l'autre. C'est parti. Go. Allez. On échauffe le cardio, hein, on accélère, on accélère. On tient, on tient, on tient. Tenez, tenez, tenez. Gardez le ventre entier. Vous pouvez ralentir le rythme si besoin. Et on tient. Posez les genoux. On refait un tour. On commence par les jumping jacks. 3, 2, 1. Et go. Voilà. Ne lâchez pas. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore, encore. Poids sur les talons quand on descend sur le mini squat. Encore. On tient, on tient. 10 secondes avant de partir. Position planche, dernier exercice de l'échauffement. Et c'est parti. Allez, on accélère. Encore, encore, encore. On tient, on tient, on tient. Position de l'enfant. On va se lancer une petite explication de chaque exercice pendant que vous prenez un petit temps de pause et que vous buvez un peu. Squat jump. On descend en squat. On garde les mains ici au niveau des épaules pour éviter de prendre trop d'élan. On descend et on saute. On maintient un petit peu en bas et on saute. Les pompes sur les chaises. Option numéro 1. On a bien les jambes tendues, omoplates serrées, on descend, hop. Option un petit peu plus facile, on plie les genoux, on garde le ventre, le haut du corps reste le même, il ne bouge pas. Plus on rapproche, plus c'est facile et plus on peut s'aider les jambes pour monter. Exercice suivant, on a besoin ici de la serviette. On va descendre au sol, on va travailler le tirage, le dos. On va prendre la serviette ici, on va monter en Superman. Tirez vers l'arrière, contractez les épaules, l'arrière des épaules et le haut du dos. Et on va redescendre. On monte, on tire. On serre les fessiers à bloc pour protéger le bas du dos. Vous allez sentir les lombaires qui bossent. Vous gardez les jambes au sol, d'accord? Exercice suivant, on va faire des shoulder touch. Ça veut dire qu'on va se mettre en position gainage ici. Et on va venir toucher l'épaule de chaque côté. Le but, c'est de garder le bassin face au sol et quasiment immobile. Prochain exercice, le burpees. Version compliquée. On va descendre ici en squat. On pose les mains au sol, on envoie les jambes derrière, on revient et on saute. Tout le long, le ventre reste serré. Option plus facile, on enlève le saut.
Et on revient droit, on pousse dans le sol avec les talons. Option plus facile, on descend. On pose un pied, l'autre, on revient. Et on remonte, d'accord? N'oubliez pas ces trois options pendant que vous pratiquez. Exercice suivant. On va venir faire une fente d'un côté, en avant, puis en arrière. On reste sur la même jambe. On a le ventre rentré, les jambes 90 degrés devant et derrière, et on regarde droit devant. Il y aura les tips. On se pose ici sur les chaises, fessiers au niveau des poignets, tête sortie des épaules. On descend jusqu'à 45 degrés au plus, et on remonte. Si jamais c'est trop dur, on ramène les jambes. Plus les jambes sont proches, plus on peut s'aider, comme sur les pompes tout à l'heure. Et le parachute, c'est un peu comme tout à l'heure. Mais plutôt que d'être devant ici, de monter et de tirer, on va mettre les bras en arrière sur le côté, serrer les fessiers, monter et on va essayer de tenir pendant les 40 secondes. Et dernier exercice, des mountain climbers, on en a fait pendant l'échauffement, position planche et on monte un genou à pelote au sol. J'espère que vous êtes prêts, on commence avec les jumping squats. C'est parti, hop. On tient les 40 secondes. Encore. Gardez le ventre rentré. Hein. Poussez bien dans les talons. Regardez devant vous. On a fait la moitié. Si c'est dur, hein, on peut s'arrêter et faire juste des squats. Le tout, c'est de ne pas arrêter de bouger. Encore. Courage. Ouh. Gardez le ventre serré. Il y a 5, 4, 3, 2, 1, stop. Soufflez, on passe aux pompes maintenant. 5 secondes avant les pompes. N'allez pas trop vite, on essaye de tenir. 3, 2, 1, 3. On tient, on tient. Courage. N'oubliez pas, si c'est dur, on va mettre les genoux comme ça pour tenir tout le long. Secondes. Inspire en descendant, souffle en montant. On tient, on tient, on tient. On a fait les trois quarts. Il reste 10 secondes. Courage. On descend et on pousse. Encore. 3, 2, 1. Profitez de ces 20 secondes de pause. Ayez la bouteille pas loin, d'accord? On va faire au sol avec la serviette. Allongez-vous sur le ventre. Serrez les abdos, serrez les fessiers. C'est parti. Hop. Encore. Serrez bien en haut. Serrez vos abdos. Serrez les fessiers pour protéger le dos. Encore. Encore, encore, encore. Allez, courage. On tient. Inspire. Souffle. On a fait les 3 quarts. Il reste 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On reste au sol, on va être en position planche pour toucher les épaules, l'une après l'autre. Gardez le ventre rentré, respirez, ça commence dans 5 secondes. En position, allez, c'est parti. Si c'est dur, on peut toucher seulement ici les coudes. Si jamais c'est compliqué, on reste en position sans bouger ici. Allez, on tient, on tient, on tient. Ne bougez pas votre bassin. Rentrez le ventre. Serrez les abdos. Allez, c'est un challenge aujourd'hui. Hein. Allez, courage. Encore, encore, encore. Serrez les abdos, serrez les fessiers. 3, 2, 1. Et posez.
À tout moment, si vous avez besoin d'ajouter un tout petit peu de pause, mettez pause, gagnez 10 secondes et relancez. C'est parti pour les burpees. Encore, encore, encore. On tient. N'oubliez pas, option, on descend. Et on ne saute pas, d'accord? Ça, c'est l'option 2. Et l'option la plus facile, on descend. Posez un pied après l'autre. Et on remonte. D'accord? Et moi, je reprends les burpees. Allez. On a fait la moitié du premier tour. Vente avant arrière sur le côté droit. Go. C'est dur, on revient seulement en position et on revient vers l'avant. On essaye de ne pas toucher le sol avec le pied. Attention à l'équilibre. Encore 10 secondes. On tient, on tient. Encore, encore. On part sur le deuxième côté. Soyez prêts. Courage. Ralentissez le rythme si besoin. Et on continue de bouger. 3, 2, 1, go. Grand pas devant. Grand pas derrière. Voilà. Encore. Courage, courage. Ça pique ça, hein? Encore, encore. Cinq secondes. Courage. On va partir sur les dips et sur les chaises. Pas besoin d'aller trop vite. En position. 3, 2, 1. Allez. Les dips. Position facile. Ici. Mais c'est déjà un challenge de tenir les 40 secondes. Si vous pouvez, on retend les jambes. Si on peut un peu plus, on monte une jambe sur l'autre. Et on porte encore plus de poids. Encore, encore. Allez. On tient. Gardez la tête sortie. Hein. Ne rentrez pas. On ne veut pas être comme ça ici. On continue. Encore. Un dernier. Quasiment terminé le premier round. On va tenir au sol. La position parachute, bras en arrière, on ne sera pas ici, on sera comme ça et on ira lever les bras derrière et les jambes, serrer les abdos, les fessiers. C'est parti. Et on tient. Regardez au sol plutôt que devant pour soulager ici les cervicales. C'est pas mal, hein? Allez, tenez encore. Ne relâchez pas les fessiers. Descendez sur la contraction derrière vos omoplates. Il vous reste 5 secondes à tenir. On tient, on tient, on tient. Reposez. Dernier exercice.
les mountain climbers, n'allez pas trop vite, on va éviter de se cramer, c'est 40 secondes. C'est parti. En position, et go. Allez, tenez le rythme, pas besoin d'aller super vite, d'accord. Les épaules au-dessus des poignets, on tient, continuez, à fond, à fond, à fond, à fond. Au max pour tenir, si c'est dur, on reste en position, si c'est encore trop dur, posez ici les genoux, gardez le ventre entré, et on tient pendant les 20 secondes restantes, sinon, vous continuez là-dessus. Allez, 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 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, et stop. Bien joué pour le premier tour. Vous allez voir, la serviette, ça sert aussi. On prend 2 minutes de pause avant d'y retourner. Prenez le temps de boire tranquillement. Et on refait un tour. Ça va être assez fatigant. N'oubliez pas, on peut descendre en termes de difficulté chaque exercice, d'accord? Respirez. Calmez-vous tranquillement. Je pourrais tricher et remettre encore une fois les 10 premières minutes qu'on a fait. Mais je vais vous accompagner. Il reste 1 minute de pause. 1 minute. Si les pompes sont vraiment très 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 dures sur les chaises, ici, on peut décider de les faire au sol. Au sol, ici, on met les genoux. Voilà, les genoux au sol. On garde le ventre rentré. On amène toujours la tête en avant des mains. Et on descend. C'est un peu plus facile. Et on essaie de tenir les 40 secondes. Respirez, restez tranquille. J'espère que vous allez bien quand même. 20 secondes. Je vais boire un petit peu, arrêter de causer. Bon, j'espère que la musique ça va, ça vous dérange pas trop. Je suis obligé de mettre un truc qui bouge un peu, hein, sinon on s'ennuie. Allez, tenez-vous prêts. En position sur le tapis. Et poussez, remontez.
Tirage serviette au sol. Ouh. 5 secondes les amis, allez, allez, allez. C'est parti. Restez bloqués un temps un peu en haut. Voilà. Serrez, on va rapprocher les coudes. Serrez bien vos fessiers à chaque répétition. Ouh. Ouh. Inspire, souffle. 10 secondes. Serre bien. Hop. Encore. Shoulder touch, on vient toucher les épaules en position gainage. Préparez-vous, aspirez le nombril, fessiers serrés, go! Allez. On tient, encore, allez, on touche les épaules, on tient. Si c'est dur, n'oubliez pas, descendez, hop, sur les genoux, d'accord? Gardez le ventre rentré toujours. Ah, ça commence à piquer les épaules. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1, posez. Le bien exercice, les burpees. Allez, allez, hein. Courage. 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. On a fait la moitié, continuez, continuez. Allez, 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 allez. Tenez, tenez, tenez. Presque fini. Un dernier. Oh. N'oubliez pas, choisissez votre option. On a les fentes maintenant. À droite et ensuite à gauche. C'est parti. Encore, encore. Ouh. On tient, courage. Attention à l'équilibre. Gardez les jambes un petit peu écartées. Les pieds sont pas l'un devant l'autre. Presque fini. Encore une. Et stop. Deuxième côté. Courage, 3, 2, 1, et go. On n'oublie pas, si c'est dur, hop, juste une fois, toujours du même côté, mais seulement devant. Ça commence à devenir dur de parler en même temps de faire, là. On tient. Courage. Encore. Courage. Il
reste 3 exercices. On part sur le dips, sur les chaises. Allez, courage. Choisissez l'option qui vous permettra de tenir tout le long. Encore, encore. N'oubliez pas, choisissez votre option. Vaut mieux réduire un petit peu et continuer l'exercice plutôt que de faire trop dur et de faire des demi-répétitions. On met l'ego de côté. Regardez, moi je prends la version facile, mais ça travaille quand même. On brûle des calories, on recrute les fibres musculaires. Deux exercices. Au sol, on va tenir la position du parachutiste. Ventre rentré. C'est parti. Allez, courage. Profitez de celle-là pour respirer avant le mountain climber. Respirez, gardez les fessiers serrés. Le ventre rentré, même si c'est difficile quand on est dessus. Continuez de respirer, ventilez toujours. Encore, courage. 3, 2, 1, stop. Dernier exercice. Vous allez avoir un petit peu mal aux épaules, c'est normal. Dernier exercice, les grimpeurs, d'accord, ou mountain climbers en anglais. C'est parti, c'est le dernier, allez. J'ai confiance en vous pour ne pas lâcher. C'est parti, go. Allez, on tient. Courage. Allez. Au rythme de la musique. Et bah, encore. On tient. Allez. N'oubliez pas option. Restez comme ça en gainage si c'est trop difficile. Mais on tient pendant encore les 15 secondes qui restent. Allez. Encore. Reposez-vous. Posture de l'enfant tranquillement. Bien joué. Super. Bon, bien joué, super. C'était un gros entraînement. Prenez bien le temps de boire et ensuite, bien sûr, de vous lever, de marcher, rester un petit peu en mouvement. Et on va faire un petit retour au calme. Tranquille, juste 3 mouvements de yoga, histoire de souffler un petit peu, ok? C'était une grosse séance, que vous ayez réduit la difficulté des exercices, regardez, je suis fatigué. Ou alors que vous ayez eu du mal à terminer, que vous ayez fait des pauses, c'est pas grave. On est là vraiment pour se dépenser. Bien joué, encore une fois. Bon, on va aller faire le petit retour au calme. C'est parti, on va se mettre debout. Hop. Premier mouvement. On va rentrer le ventre, serrer les abdos. On va comme ça monter les bras. On touche le plafond si on a des bras de 2 mètres comme moi. Hop. On s'agrandit. On va chercher le plus loin possible. Je me mets sur le côté. Regardez, voyez, je ne cambre pas. On s'agrandit. On monte sur la pointe des pieds. Cherchez à vous grandir. Puis reposez. Et on va aller sur le côté, faire une flexion. Inspirez. Puis remontez. Et on va de l'autre côté. Et remontez. On va faire ça encore 2 ou 3 fois. Dernière fois. Thank you.
relâcher les bras. On va faire ici une flexion avant, jambes écartées comme tout à l'heure à l'échauffement, sauf que cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester d'un côté, puis de l'autre. Donc on va descendre ici et on va aller chercher. Voilà, un côté, écartez les jambes autant que vous pouvez. On descend, on va chercher ici la cheville, on sent l'étirement derrière, on reste une dizaine, quinzaine de secondes. Concentrez-vous sur votre respiration. Sentez votre rythme cardiaque qui descend petit à petit. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Salut-toi. On descend et on va chercher de l'autre côté. Respirez tranquillement. On reste en bas, restez en bas. On va chercher aussi bas qu'on peut. Revenez au centre tranquillement. Et on repart d'un côté, puis on refera l'autre côté. Gonflez la cage thoracique. Respirez. Aspirez de l'air avec vos poumons. Mais gardez le ventre rentré. On ne respire pas avec le ventre. Sur les étirements, on garde le ventre rentré. Puis changez de côté. Tranquillement. Dizaines de secondes, gagnez au fur et à mesure en distance, on va chercher de plus en plus bas. Et soufflez, revenez, resserrez les jambes ici et remontez. On va faire un étirement maintenant, à peu près la même chose que ce qu'on a fait tout de suite, sauf qu'on a les jambes serrées. Et qu'on va plier les jambes. Donc on va descendre tranquillement, arrondir le dos. On arrondit, on arrondit, on aspire le nombril. Et une fois ici, on va plier les jambes et laisser le dos reposer sur les genoux. Sentez le bas du dos s'étirer tranquillement. Laissez le cervical reposer. Si vous avez du mal avec l'équilibre, on vient écarter un petit peu plus les jambes. Restez tranquillement. Puis là, vous allez tendre les jambes. Et on reste en bas toujours. Aspirez bien le nombril pour pouvoir descendre encore plus bas. On gagne au fur et à mesure en mobilité à chaque nouvelle expiration. Encore, encore. Les jambes sont tendues complètement, hein, d'accord? Remontez dos plat. Ici, serrez les omoplates. Là, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas si vous entendez mon chat miauler. Et redescendez en bas, jambes tendues. On va faire une dernière fois ça, toucher le sol. On va aussi bas qu'on peut. Puis on remonte. Serrez les omoplates. Restez droit. Rentrez le ventre. Dos plat. Et on va plier les genoux, redescendre et remonter vertèbre après vertèbre. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bien joué. Continuez de boire, mangez tout ce qu'il faut pour tenir le reste de la journée. Vous pouvez être fiers de vous.